là son calme historique. Nous croyons que le gouvernement dominicain prend devant l'OEA. Monsieur Roberto Alvarez, qui était dépêché sous place, mesdames et messieurs, pour te venir défendre ce ça, eh bien, il a été recadré. Et Léon Charles, mesdames et messieurs, mettait le dos au mur. On dit plutôt, gouvernement haïtien mettait le dos au mur. Le gouvernement haïtien dit, quand elle n'a pas campé, il a annoncé que il va accompagner les paysans. En même temps, il a rappelé que plus d'une fois que vous droit, même Jacques Dominicani, pour utiliser rivière là, et monsieur dénoncé, menace et intimidation du gouvernement dominicain. Hein? Et il a rappelé, conflit ça, traité a dit, les gens conflit. Il même dit conflit même. Le gouvernement même dit conflit. Par contre, côté dans le texte, le gouvernement dit conflit. Il l'appelle différent. Et ça, c'est beaucoup de sagesse. Parce que de toute manière, nous sommes voisins. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ce qui a passé là, c'est. Ils ont parti dans l'histoire de pays. Yo. Ça va de fait oublier que nous avons pour nous vivre avec Dominicani comme frère et soeur. Et je vous dis, il faut nous rappeler, mesdames et messieurs, ici, on est maintenant combat pour le gouvernement de prendre responsabilité. Et le gouvernement, je vous dis, il prend responsabilité, mesdames et messieurs. Et me demander, je vous dis, au-delà de convictions politiques, au-delà de convictions idéologiques, au-delà de tout problème que nous sommes capables de gagner avec Ariel Henry et son gouvernement, qui ont passé 2 ans là, qui n'ont pas réglé un rien pour le pays d'Haïti, qui met le pays à genoux, il faut nous songer ça, nous ne pas oublier ça. Qui mette le pays à nos situations côté, nous ne pas qu'à vivre là-dedans. Mais je dis, toute parti politique confondu, secteur privé, société civile, droits humains, opposition, nous tous, nous devons sauter une note, je dis à la, nous devons appuyer des marches gouvernement, parce que nous avons combat ça, et bien ce n'est pas combat Ariel Henry, c'est combat Haïti. Pour arriver, transcender dans le contexte. Ça va veut dire n'oublier le problème, n'oublier le combat politique, n'oublier que Ariel Henry et son équipe sont passés 2 ans là, ils mettent Haïti à genoux. On va oublier ça. Mais dans le cas précis, ça, je vais demander des nègres d'un coup Claude Joseph pour prendre position, pour supporter le gouvernement. N'a pas demandé Montana pour supporter le gouvernement, pour supporter Ariel Henry, pour supporter Haïti, pardon. N'a pas demandé tout le monde qui dit dans l'opposition, tout le monde qui a boum avec Ariel depuis quelques temps là, m'a demandé de mettre Zamate. Nous sommes capables de faire 2 goumets. Nous goumets pour nous veiller Ariel Henry pour ne pas prendre l'élection Fomami. Nous goumets pour nous assurer nous que la sécurité a résoudre comme problème. Nous goumets pour nous veiller nèg kap voler l'argent de l'État. Yon goumè pour nous assurer que Ariel Henry pas dodo mais à nous là pour faire 5 ans sous pouvoir sans élection. Mais en même temps, dans le cas précis, mesdames et messieurs, qui concernait la rivière Massin, qui concernait la construction du canal sous la rivière, eh bien, leader politique nous, pays, doit camper des gouvernements parce que là, mesdames et messieurs, si devant l'ONU, nous te dit Ariel Henry a fait œuvre qui vaille, eh bien c'est jodi, c'est hier, dans l'OEA. Gouvernement fait œuvre qui vaille. Même si nous reconnaissons, c'est un combat qui a été mené, mais si nous reconnaissons, toute fière chandelle là, c'est pour Mounouaname, qui campait Goumé, mais si nous reconnaissons, c'est combat nous tout voir ici, avec certains rares médias pour faire gouvernement écouter, prendre responsabilité, parce que nous ne sommes pas les seuls, en pile médias, mesdames et messieurs, te mettez le gouvernement face à responsabilité. Eh bien, je ne vous dis à mesdames et messieurs, il faut nous reconnaître que il y a un pas important qui a été franchi dans le cadre de ce dossier. Et il faut que nous disions bravo Ariel Henry, bravo gouvernement, bravo Léon Charles, et bon ici, nous capons des gouvernements, dans le cas précis, ça, mesdames et messieurs.
pour nous faire dominicains respecter Haïti.